dans le film Junior. En salle depuis mercredi 26 juillet 2023, Vanessa Paradis joue la maman d'un adolescent interprété par Ewan Bourdel. En promo dans l'émission La Boîte à Questions, il a fait une petite remarque qui n'a pas manqué de vexer la chanteuse. Quand elle a commencé sa carrière d'actrice, Vanessa Paradis jouait des lycéennes, comme dans son premier film Noce Blanche, de Jean-Claude Brissot. Désormais, la chanteuse, révélée à 14 ans avec le titre Joe le Taxi, joue des mamans. Dans Junior, en salle depuis mercredi 26 juillet 2023, elle interprète une infirmière, mère d'un adolescent de 14 ans, Jordan, Ewan Bourdel, qui s'occupe en jouant aux jeux vidéo avec son meilleur ami Patrick, Noah en douche, sur sa console qu'il a baptisée Jessica. Quand Jessica cesse de fonctionner, il se fait passer pour malade et lance une cagnotte en ligne pour racheter une PlayStation. Il y en avait. La petite pique d'Ewan Bourdel à Vanessa Paradis mardi 25 juillet 2023, Vanessa Paradis et Ewan Bourdel étaient dans la boîte à questions, sur Canal+, pour faire la promotion de Junior. Interrogée sur les jeux vidéo qui ont marqué leurs enfances, la chanteuse a commencé, « Putain, tu vas prendre un coup de vieux parce que moi, tu les connais même pas », a-t-elle glissé et le jeune acteur de répondre du tac ou tac, « Il y en avait ?» Oui, il y en avait, c'était l'insurgé. Pardon, pardon, je rigole, a déclaré Ewan Bourdel. Tu connais même pas, c'est Galactica, ça se jouait sur une grosse machine et tu tuais des vaisseaux, a continué Vanessa Paradis. Et Ewan Bourdel de commenter, ah mais oui, c'est les trucs, a-t-il dit en mimant un flipper. C'est la même époque que Pac-Man, a précisé la maman de Lily Rose et Jack. Avant de revenir sur la remarque un brin vexante du jeune acteur, putain, j'en reviens pas que t'aies dit, ça existait les jeux vidéo, je vais le dire à ta mère. Ça lui apprendra.